Hey, Mazlo ici, Defra, pour aujourd'hui faire un tutoriel sur une villa moderne sur Minecraft. Et comme d'habitude, je vais donner à deux abonnés des maisons que j'ai fait lors des derniers tutoriels sur la chaîne. Et cette fois-ci, du coup, on va donner cette maison-là. Oui, le grand hôtel que moi j'aime beaucoup, qui est vraiment stylé, que j'ai fait du coup en vidéo l'autre coup. Eh bien, il a été gagné, attention, devinez par qui. Hop, je m'en vais vers la porte d'entrée. Et hop, maison de Alix003, donc GG à toi. Et merci pour vos commentaires et vos likes, à tous ceux qui mettent des commentaires et des likes du coup. Et donc voici la maison que tu as gagnée, j'espère qu'elle te plaît. En tout cas moi j'aime beaucoup, elle m'a beaucoup plu à faire et elle est vraiment stylée je trouve. Et deuxième maison du coup que je vais donner aujourd'hui. Et je rappelle que du coup, pour pouvoir vous-même gagner des maisons, il suffit de mettre des commentaires et des pouces bleus aussi aux vidéos voilà, de la chaîne. Attention, cette immense maison à ce niveau-là, avec son champ et tous ses annexes partout. La plus grande maison, du moins le plus grand terrain qui a été fait du coup sur la chaîne pour l'instant, a été gagné par, attention les yeux, Mr. Az 1145, le fameux, hein. Alors oui, il le méritait parce qu'il est effectivement modérateur sur la chaîne, il est aussi modérateur sur le serveur, donc il mérite, voilà. Au bout d'un moment, on peut pas revenir là-dessus, faut pas déconner. Lui, effectivement, il a un truc énorme, mais c'est amplement mérité, merci beaucoup Mr. Az. Et sur ce, du coup, on se retrouve au niveau du nouveau quartier moderne que j'ai aménagé récemment, que vous allez découvrir vous du coup, parce que vous avez jamais vu ce quartier là pour l'instant sur la chaîne. Hop, du coup voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc il y a encore pas mal de nouvelles maisons à faire, tout là-bas et ici aussi. Alors ici ce sera même un énorme hôtel de luxe, enfin bon bref, je te montrerai ça plus tard. Aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la construction de cette maison qui ira ici. Et en premier lieu du coup je vous invite à prendre de la diorite, voilà, de la diorite banale, ok. Et de réaliser ce pattern là au niveau du sol. Alors je vais vous donner les dimensions pour pouvoir réaliser ça. En premier ici, on a une ligne de 21 blocs en tout, ok. Puis on a 9 blocs ici là, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc entre ce bloc là et ce bloc là, ça fait 9 blocs. La même chose de l'autre côté, hein, c'est symétrique. Entre ce bloc là et là-bas, on en a 10. Ok. Entre ce bloc là et l'autre au fond là-bas, normalement on en a 23, je vérifie ça vite fait. Hop, ouais. Et tout au fond là-bas, on en a 39. Ok, et donc normalement avec tout ça, vous avez ce pattern là devant moi. Une fois qu'on a ça du coup, l'idée c'est qu'on va venir mettre une piscine par devant du coup notre pattern à ce niveau là. Et donc c'est pour ça que j'ai mis des repères en vert ici. L'idée c'est que on va faire des tranchées dans le sol, hop, et on va mettre de la diorite dedans, comme ça, donc dans la longueur, dans, hop, dans le même sens que ce mur là, sur 17 blocs dans ce sens là, ok. Normalement, entre ce bloc là et ce bloc là, on a 17 blocs, ok. Donc la même chose de l'autre côté, et après on rejoint les deux. Une fois qu'on a ça du coup, toute l'herbe à ce niveau là, à l'intérieur du bas de la piscine, on va la changer en béton bleu. Une fois qu'on a ça du coup, l'idée c'est qu'on va venir rajouter du vert sur la partie en diorite, vous voyez, hop, à ce niveau là, donc des blocs de vert, hein. Et une fois qu'on aura fait tout le tour, l'idée c'est qu'on va monter les murs en diorite à ce niveau là, plus les murs de verre que je suis en train de poser ici, à 3 blocs de hauteur, et on recouvrira tout le socle de diorite, avec de la diorite aussi, t'as un truc à faire. Ok, voilà, donc à 3 blocs de hauteur partout, hein. Et une fois qu'on a ça, le socle en diorite, on le complète complètement, c'est le cas de le dire, et voilà, en diorite aussi, hein, tout pareil. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va terminer la piscine en mettant un rebord, donc en quartz. Du coup, on va mettre deux blocs de quartz comme ça autour de toute la partie ici, hein, comme ça. Voilà, on fait tout le tour et on va mettre deux couches de blocs de quartz, hop, plus un demi-bloc par-dessus, histoire de vraiment faire une sorte de marche, en fait, pour pouvoir aller dans la piscine. Ok, donc on va faire tout le tour comme ça. Et une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir mettre en place la maison elle-même, du moins les différents étages de la maison.
Et on va tout de suite commencer par, bah, par le coin, ici par exemple, hein, on va laisser un bloc de marge de chaque côté, au niveau du socle, hein, et on va commencer à faire une plateforme à 4 blocs de hauteur, ok? Donc on va venir, alors attendez, on va compter à partir de là, on va laisser 2 blocs ici, on va ouvrir sur les 4 blocs pour faire une entrée, on va faire des escaliers comme ça de chaque côté, puis après 2 blocs ici, hop, et... Donc jusque là, on va faire une plateforme de cette longueur là, donc je vais vous donner les dimensions, de 14 blocs, voilà, on pose ce bloc là comme j'ai montré, et on fait une ligne de 14 blocs qui se prolonge du coup sur toute la largeur de la maison. Hop, du coup une fois qu'on a mis notre plateforme ici comme ça, on va venir rajouter un petit morceau du coup par devant ici, hein, de notre plateforme, donc on va laisser 12 blocs de marge ici et de l'autre côté, et à partir de là on va mettre des blocs ici qui vont aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, ouais, 8 blocs par devant la maison, ok, comme ça, et on la rebouche aussi du coup, hein. Ok, du coup, une fois qu'on a ça, l'idée c'est qu'on va venir faire le deuxième et troisième étage directement, en fait, après seulement on fera les murs, et donc du coup, on va venir faire une terrasse à ce niveau-là, par exemple, et donc, bah, on va faire, on va laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 blocs, on va dire, hop, de marge, et on met 4 blocs au-dessus, notre premier bloc pour la deuxième plateforme, qu'on va faire à ce niveau-là, donc... On prolonge en toute la largeur de la maison encore une fois, ok. Donc en laissant 7 blocs de l'autre côté aussi, pareil, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, 8e bloc, 1, 2, 3, 4. Et on fait une plateforme avec tout ça. Hop, voilà, hein, donc on fait l'étage ici, hop. Et donc du coup, une fois qu'on a ça, pareil, on va venir faire une petite plateforme par devant, hein, la maison. Alors celle-ci, elle va être voilà, de la même largeur, par exemple, à 4 blocs, par contre. Hop, voilà. Hop, ici comme ça. Et on la recouvre entièrement aussi, après tout. Hop. Voilà. Alors maintenant, on va faire le troisième étage directement. On va même faire le toit, en fait, de la maison. Qui va être à 4 blocs de hauteur encore une fois. Donc on va partir du bloc de coin ici là par exemple. Vous voyez le coin là, hop, le bloc ici. On va compter 1, 2, 3, 4. Voilà. 4 blocs. Et on va venir faire une plateforme ici comme ça. Qui va venir hop, sur toute la largeur. Enfin plutôt jusqu'à cette largeur là. Et on va faire un espèce de carré. Pour faire le toit finalement. Hop. Voilà, je le finis ici comme ça. L'idée c'est que on va prendre la même largeur que notre terrasse à ce niveau-là, ok? Donc ici pareil, on bouge complètement notre plateforme. Et on va rajouter une petite plateforme par devant ici aussi. Donc on va laisser 1, 2, 3, 4 blocs de chaque côté. 3, 4. Voilà. Et on va venir faire une petite. Protubérance par devant, voilà, parce que, voilà, histoire de marquer le coup, quoique non, en fait, voilà, on va laisser ça simple, et on va laisser ça comme ça. Alors, une fois qu'on a ça, l'idée, c'est que on commence à voir un peu où est-ce que je veux en venir, vous voyez qu'on a une sorte de pyramide ici, comme ça, qui peut être sympathique. À la limite, j'ai envie de rajouter une petite ligne de blocs comme ça, de chaque côté au niveau du deuxième étage, ok. Hop. Et hop, est-ce que ça rend un peu mieux? Oui, hein, dans l'idée. Ok. Ok, du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les murs directement. Alors, on va mettre aussi des piliers en quartz pour soutenir les plateformes, tout simplement. Donc, on va mettre des blocs de... On va prendre des blocs de quartz rayés comme ça, et on va les mettre, pouf, à ce niveau-là. Hop, jusqu'au sol. Hop, comme ça. Comme ça, ça fait un peu temple romain, tu vois, ça fait un peu stylé. Youp, youp, youp. Hop, comme ça. Et du coup, là, on a
Nos piliers qui sont mis genre bien quoi. Alors du coup maintenant on va prendre du béton gris clair et on va venir faire les murs avec ça. Donc entre ce bloc là par exemple, hein, en laissant un bloc de chaque côté, là ça va être notre coin de mur finalement. Et on va faire toute la surface de la villa comme ça. Hop, au niveau des murs en tout cas. Alors je clique n'importe où. Voilà, là je mets la délimitation pour les murs, histoire qu'on y voit quelque chose. Vous voyez. Donc voilà, là, jusque là, on aura tout un mur qui va être mis, et pareil pour les étages du dessus. Et hop. Alors du coup, là, on voit quand même tout de suite que ça a notre tronche. Hein. On commence vraiment à voir que la villa commence à prendre forme. Ça fait plaisir. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va utiliser les escaliers en quartz pour faire les escaliers. Enfin, voilà, c'est thématique. Hop, on va se mettre du coup sur les côtés, là où j'avais mis le creux tout à l'heure, là. Et on va venir creuser dedans pour faire des escaliers. Hop, comme ça, en quartz. Voilà. Hop. Et en évitant de laisser des trous ici, vous voyez, de chaque côté, ça rend moins bien. Voilà. Bon, bah c'est plutôt pas mal. En plus, ils ont de 4 blocs de large, ça fait swag dans l'idée. On va faire la même chose de l'autre côté du coup. Hop. Et donc, du coup, on peut aussi rajouter une sorte de petit chemin. Vous voyez, par là. Alors, évidemment, le plot, il ne fait que 50 blocs par 50 blocs de long et de large, hein. Et donc je suis un petit peu coincé avec la taille de ma maison qui est un petit peu balèze du coup. Mais voilà, l'idée c'est qu'on va faire un petit chemin qui va venir tout jusqu'au bord du plot en fait, ok. Hop, en quartz aussi hein, pour respecter la teinte de couleur de l'escalier. Alors, du coup, l'idée maintenant c'est qu'on va mettre des escaliers aussi entre cette plateforme là et le sol. Donc il va bien falloir viser. On va mettre des escaliers voilà, de 3 blocs de large hein, par exemple. On va essayer d'arriver jusqu'ici. Hop. Hop. Voilà, histoire d'être plutôt bon. Ok. Du coup, on va aussi rajouter tout de suite les protections, les barrières hein, de protection en vitre qu'on va mettre autour des terrasses. Hein, ça sera plus sympa. Donc autour de tout ça. Hop, voilà du coup ce que ça donne avec les barrières de mise, avec les vitres plutôt de mise, qui font office de barrière du coup. On va aussi rajouter un toit en herbe, tout simplement, un bloc d'herbe directement incrusté dans le toit. Voilà. Donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est que l'on va mettre en place les murs, les fenêtres, voilà oui, les murs et les fenêtres, tant qu'à faire. Alors du coup, dans le prolongement des piliers ici, view, paf, sur le mur, on va rajouter, allez, 3-4 blocs de mur sur la longueur parce que, voilà. J'espère que l'explication vous aura suffi et convaincu, parce que vous n'aurez pas forcément d'autres. Alors, je suis en train de tout péter, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Hop. Voilà, je suis en train d'agrandir un petit peu le premier étage. Et du coup, on va mettre plein de vitres partout. Je vais ouvrir tout à ce niveau-là. Peut-être pas autant, ça fait balèze. Voilà, ouais, ici, nous, une entrée comme ça en plein milieu, bien centrée, ça fait plaisir. Alors, on va centrer les choses, parce que c'est une maison qui est symétrique. Donc du coup, on va s'occuper d'un côté de la maison et on fera pareil de l'autre côté. Hop. Alors attendez, la porte d'entrée au niveau du premier étage, elle fait combien de large? Elle fait 5 blocs de large. Hop, donc on va faire ça au niveau des étages supérieurs aussi. Hop, voilà. Alors évidemment, dernier étage, il y a des blocs d'herbe au niveau du toit, ce qui fait qu'on voit la terre par dessous, ce qui n'est pas extraordinairement extraordinaire. Donc l'idée c'est qu'on va recouvrir le plafond, alors on peut utiliser plein de méthodes différentes, hein. On peut utiliser les dalles de quartz pour recouvrir le plafond, c'est ce qui passe le mieux, le plus simple, sinon on peut utiliser aussi bien sûr des trappes, on peut utiliser d'autres dalles aussi tout simplement, ou des blocs entiers. Le problème des blocs c'est que du coup ça va prendre pas mal de place au niveau de l'intérieur, donc vous faites comme vous voulez, on peut aussi mettre des motifs.
Voilà. Moi, du coup, je vais rajouter de la machin comme ça. On va aussi, du coup, une fois que ça s'est fait, faire les fenêtres pour le reste de l'étage. Hop. Alors, du coup, l'idée, on va faire un trou ici de 4 cases pour pouvoir mettre des portes. Donc, des portes en bois d'acajou, j'ai mis, hein, avec mon pack de textures, ça rend un truc assez moderne, c'est sympa. Voilà, donc des fenêtres après, comme ça. Pareil ici, hein, comme ça, voilà. Tout bêtement. Alors, juste petite rectification à ce niveau-là, on a effectivement mis des vitres, mais à ce niveau-là, vous voyez, il y avait de l'herbe sur la dernière partie ici, et donc du coup, on voyait la terre par-dessous. Le problème, c'est que comme les vitres ne se collent pas aux dalles, eh bien du coup, on avait une sorte de... on avait un trou, en fait, à ce niveau-là, vous voyez, entre la dalle et la vitre. Donc du coup, j'ai enlevé cette ligne-là de terre pour mettre du quartz à la place. Voilà, ça change pas grand-chose, on va pas se mentir. Donc on va faire plus ou moins la même chose avec le reste des étages, ça va pas être extrêmement compliqué. Au niveau des vitres à mettre en place, ouais, voilà, par exemple. Ici, bah pareil, une porte, comme ça. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Pour le coup, voilà, voilà. Absolument rien de compliqué. Alors du coup, peut-être qu'au niveau de cet escalier-là, on va rajouter des blocs de quartz en niveau du dessous pour que les escaliers n'aient pas l'impression de flotter dans les airs. Ça serait plus sympathique. La même chose peut-être de l'autre côté. Hop. Voilà. Alors, on va quand même rajouter une vitre alignée dans avec celle du dessus. Est-ce que ça rend bien vu de loin ? Bah, ça rend déjà bien tout à l'heure, donc oui, forcément. Alors du coup, au niveau des autres vitres, à ce niveau-là, c'est fait. C'est peut-être au niveau de l'arrière, du coup, va falloir s'aligner avec la vitre du dessus, déjà. Voilà. Alors, je suis en train de tout casser. Hop, hop. Donc là, on s'aligne ici. On va se mettre à peu près au milieu. Comme ça. Comme ça. Des vitres ici comme ça aussi, et bah ici aussi du coup. Voilà, normalement on a, allez, 4 blocs ici, 4 blocs ici. Ok, donc on laisse 4 blocs d'espace entre toutes les fenêtres. La même chose ici de ce côté-là du coup. Et on bouge tous les trous par de la vitre sonnante et trébuchante. C'est pas l'expression, je sais, mais j'avais envie de dire ça. Hop. 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 Voilà, etc, etc. La même chose ici. Et là, et puis pareil, quoi. Hop, du coup, voilà ce que ça donne au niveau de la maison, hein. Des fenêtres. Alors, du coup, juste au niveau de la fenêtre, à ce niveau-là, avant, il y avait 2 petites fenêtres que j'ai fait. Au final, je n'ai fait que une en plein centre. Voilà. Du coup. Maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est vraiment les petites finitions, comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté de l'eau dans la piscine. Et on va faire les terrasses ainsi que les petites décos. Alors les décorations, déjà on va faire un petit peu de... on va poser un peu de feuilles déjà sur les rebords, hein, vous voyez, des hop, de la maison et tout ça. Un peu ici aussi peut-être, voilà. Hop. Voilà, donc pas trop évidemment, mais un petit peu quand même. Et l'idée, c'est qu'on va aussi faire pousser des arbres sur la maison directement. Oui, carrément, faire pousser des arbres. On est des ouf. Hop, alors, voilà. On va mettre 2-3 pouces d'arbres, par exemple, hein, vous voyez. Alors évidemment, si on a des grands arbres, il faudra peut-être les tailler ou faire autre chose. Ouais, alors là du coup ça se camoufle un peu avec les arbres que j'ai mis encore derrière, mais finalement ça peut être sympa. Peut-être que du coup les feuilles ici ça ferait en trop. À voir. Sinon ouais, ça, c'est intéressant, il y a du concept en tout cas. On peut rajouter de la poudre d'os au niveau de l'herbe pour faire pousser des choses à fumer. Ça faisait longtemps que c'était pas, j'ai pas fait ce genre de blague, ça d'ailleurs. Hop. Voilà. Est-ce que ça rend bien? Oui, c'est pas si mal.
honnêtement. Et donc du coup, on va rajouter un petit peu aussi de la vie au niveau des terrasses, avec notamment des transats, des bronzats, hein, comme j'aime bien les appeler, avec voilà, de la dalle de chêne noir, hein, avec du chêne noir de manière générale. Hop, des escaliers aussi. On va utiliser comment on appelle ça? Des trucs pour faire des machins. J'espère que vous voyez tous de quoi je parle. des tables. J'ai envie de tester les tables en granit poli, tiens. On va voir ce que ça va donner. Au pire, on changera. Hein, mais ouais, non, quoique, en fait, c'est pas une bonne idée. Bref, j'utiliserai les dalles de bois, hein, peu importe. On va mettre du coup des. Hop. Des escaliers ici, comme ça, sur le côté, par exemple, paf, paf. Pour mettre des bronzates, en fait. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien les appeler, les bronzates, au lieu de les transats. Hop, voilà. Avec des tables comme ça, en bois aussi directement. Alors, sur les tables, on peut aussi rajouter des tapis, histoire de faire chic, je ne sais pas, peut-être. Hop, voilà. On en rajoute aussi un peu partout sur les terrasses. Voilà, on peut faire des tables à ce niveau-là aussi, par exemple. Paf, paf, paf. Avec des gens qui sont. Hop, avec du verre ici, plus des tapis. Hop, voilà, ça fait une table ici à ce niveau-là. Alors, du coup, ouais, il y a la vitre qui colle à l'escalier. Mais enfin, bon, au pire, tant pis. Hop, ici, pareil, on peut rajouter des bronzates. Hop, voilà. Et ici aussi, pareil, on peut, voilà, on peut un peu se faire plaisir. Alors, ce que je vais rajouter quand même un minimum, c'est de la végétation au niveau des terrasses. Au moins un minimum, si vous voulez bien. On va utiliser du coup pour ça des barrières en bois ainsi que des feuilles. Donc, voilà, c'est la vieille. Alors, peut-être que les enclumes seraient plus appropriées. Comment on écrit enclume? Je ne sais pas écrire enclume. Voilà. Enclume avec un E. Comme. Un truc avec un E, peu importe. Du coup, on va espacer les enclumes, comme ça on va mettre des feuilles par-dessus. Et puis, à la fin plutôt, vraiment vers l'arrière des terrasses, hein, pour qu'on puisse la voir en façade. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Hop. Paf, paf. On la met de l'autre côté aussi. Ok. Alors voyons ce que ça donne de loin du coup maintenant. En fait, voilà, comme il y a des grands arbres par derrière, c'est vrai que ça se mélange un petit peu au niveau visuel, au niveau de la façade peut-être quand on la regarde. Mais finalement, ça fait une belle pyramide quand même la maison. La maison fait vraiment une belle pyramide quand on la regarde comme ça frontale. Il y a la grande base en vert, hein, ici finalement, et visuellement on a une sorte de triangle comme ça, vous voyez, une sorte de pyramide de maison, ce qui rend le truc assez majestueux quand on le regarde comme ça, ce qui est plutôt pas mal, surtout quand c'est aligné avec le soleil, là c'est encore mieux. Puis voilà, donc par contre, du coup, ce que je vous inviterai à faire, c'est peut-être prendre un plot plus grand que de 50 blocs par 50 blocs, parce que le problème c'est que du coup, vous n'avez pas la place pour mettre de garage pour les voitures. Là, je pensais en mettre un, mais finalement, j'ai pas du tout la place. Donc, finalement, ma maison est un petit peu trop volumineuse. Mais bref, du coup, voilà. Cette maison me fait rappeler un peu une maison que j'ai fait il y a très longtemps, qui a été d'ailleurs la vidéo la plus vue de la chaîne. Donc, on verra si cette vidéo fait de même. Hein, on verra bien. Sur ce, n'hésitez pas. Pour celui qui veut gagner aussi cette maison-là et devenir propriétaire de cette maison, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus du coup à la vidéo ainsi que des commentaires. Voilà, je trouvais plus le mot. Et sur ce, bon vent à tous, bon vent matelot et à la prochaine!